Donne-moi une note sur 10 au lit. Ça paraît chelou de l'extérieur, mais en fait, quand tu dors... Tu veux vraiment dire ça? Ouais. Si. Avec quelle star me tromperais-tu? Il y en a plein. Mais regarde-moi, on n'est pas peur. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai su direct que c'était toi. Ouais. Bah pas moi. Ah bah là, tout niqué. À l'occasion de la Saint-Valentin... Paint vous donne l'occasion de tout vous dire. Devant vous se trouvent des cartons avec tout type de questions sur votre couple. La règle est simple. Un pioche, l'autre répond. Bonne chance et joyeux Saint-Valentin. Bonne chance et joyeux Saint-Valentin. Alors, quelle a été ta première impression de moi? Quand j'ai vu une photo de toi, bah, j'ai su tout de suite que... T'étais l'homme de ma vie. Et tu le sais, j'ai eu de la vie en plus. C'est vrai. Je me suis dit, il est trop beau. Faut que j'y aille. Quelle a été ta première impression de moi? Et en fait, à la base, t'étais pas du tout mon style. T'es sérieux, là? T'es plus petit que ce que je pensais. Ça, c'est hyper récent. T'es beaucoup moins prétentieux que ce que je pensais aussi. Ce que tu dégages sur les réseaux. Merci. Honnêtement, la première impression, c'était putain, elle est grande. Je me suis dit que t'avais l'air un peu hétéro, mais que t'étais mignonne. En plus, tu parles même pas de la première fois qu'on s'est rencontrés, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu t'en souviens même pas. C'est vrai. J'avais oublié que t'étais là. Ok. Je le sais déjà. Avec quelle star me tromperais-tu? Bah comment ça, tu sais déjà? Anthony Alcaraz. Mais non, ah, si, ça c'est si, pas... Si, si. Non, si, bah, si. Non, si, si. Mais c'est faux. Mais il y en a plein d'autres qui sont si, beaucoup mieux. Mmh. Avec quelle star me tromperais-tu? Il y en a plein. Désolée, mais... Je fais Zendaya, et toi? Avec une torche à faire. On est bien. Okay. On est d'accord. Oui, oui, okay. Je suis d'accord. Shy, pour sûr. Je valide, pour sûr. Je valide. The Weeknd. On n'a rien à voir. Pourquoi tu me demandes pas et moi? Parce que je connais la réponse. Le bûcheron. Avec quelle star me tromperais-tu? Moi? Oui. Bah toi. Je sais pas, Kim Kardashian. Donne-moi une note sur 10 au lit. Bah 10. Vraiment? Bah ouais. Ok, tant mieux. Moi aussi j'aurais 10. 12. Est-ce que je peux te dire aussi ou... Ouais. Moi je dirais 14. Ah, mmh. Voilà. Très bien. Bah franchement 11. Pourquoi un point de plus? Pourquoi un point de plus? Parce que tu me surprends toujours. Tu me surprends, tu me choques, et ça baie. Pourquoi tu réfléchis? Un bon 8,5, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais c'est bien. T'inquiète. Ok, ok. Ah, c'est bien. Ok, parfait. Et toi, tu mettrais combien en vrai? Non, en vrai. 8. 8. Ah ouais, tu me dis 8 pour que je me dépasse. Voilà. Encore et encore. Mmh. Ah mais c'est fatiguant. Il manque quelque chose. Tu préfères larguer ou te faire larguer? Waouh. Franchement, ouais. Je préfère me faire larguer. C'est trop dur de larguer quelqu'un. Moi aussi, je préfère me faire larguer. Me faire larguer. Large. Rien. Large. Au moins, j'ai rien à me reprocher. Je préfère me faire larguer. Et toi? Bah larguer. Bah larguer, qui me largue en fait? Enfin, je sais pas, mais ça m'est jamais arrivé, je pense que ça va jamais m'arriver. Hein. Moi je préfère que tu me largues parce que moi je me sentirais pas coupable. Être largué. Pourquoi? Je suis trop gentil pour larguer. Ah ouais, ah non, moi question de fierté, je préfère larguer. Quelle horreur. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Tes yeux, sûr. Sur tes yeux. T'es très attentionné. Peut-être le fait que tu sois une fille vachement indépendante. Genre ton indépendance et le fait que t'aies besoin de personne. Parfois c'est un peu too much, mais bon, c'est déjà. Physiquement, tout, t'es magnifique, donc je sais pas. C'est rare. Merci mon cœur. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Tout. D'accord. C'est faux. Sois un peu honnête. J'aime comment tu réfléchis. Mm-hmm. J'aime comment tu es. J'aime ton énergie. Mm-hmm. Et t'es trop belle aussi. Je dirais que t'es une bonne épaule. T'as un bon soutien dans la vie du quotidien. Mmh. T'es drôle. Au niveau physique, la globalité, les cheveux, la bouche, les cils, comme je te dis, tes petites taches ici, là, je kiffe.
T'es grave à l'écoute, t'es quelqu'un avec qui je peux parler, on est sur la même longueur d'onde surtout. Donc le fait qu'on soit vraiment âme sœur, qu'on soit sur la même longueur d'onde surtout et tout. Qu'est-ce que tu changerais chez moi? T'es têtu. Oh, t'es têtu. Autant que toi. Et t'es susceptible. Autant que toi. Qu'est-ce que tu changerais chez moi? Rien. Tu vois plus le négatif dans les choses plutôt que le positif. Ouais, c'est vrai que j'ai souvent tendance à recenser. Tes goûts musicaux. T'écoutes vraiment de la musique de merde. Despacito, ça a été ma musique la plus écoutée de 2021. Donc je pense qu'on est bien. Voilà quoi. Rien du non, tout. Non, mais tu dois dire là, pour... Physiquement, caractère. Les deux. Je sais même pas. Bah, cherche. Mais t'es parfaite. Mais. Ah, mais regarde-moi, on n'est pas peur. Ça franchise parfois. Ta franchise. Je suis trop franc? Ouais. Ah, ça va, je préfère dans ce sens-là. Et moi, je changerais rien chez toi. C'est bien. Parce que je t'aime comme t'es. Mmh. Oui. Oh. Est-ce que t'as déjà simulé avec moi? Non, jamais. T'es la première personne avec qui j'ai jamais simulé. Non. Et toi? Non. Ouais. Voilà, merci. Alors, est-ce que tu as déjà simulé avec moi? En vrai, je pense. En vrai, je pense pas. Non, non. Non, je crois pas. Est-ce que tu as déjà simulé avec moi? Simulé ou surjoué? Non. Est-ce que tu as déjà surjoué avec moi? Non. Est-ce que tu as déjà simulé avec moi? Non. Et toi? Moi, non. Non. C'est très bien. Raconte un dossier sur moi. Je suis parfaite, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis tellement parfait. Quand tu dors, et qu'en fait tu veux te rendormir ou que tu tournes ou qu'en gros tu te réveilles un petit peu. Tu veux vraiment dire ça? Ouais. Si, tu te secoues un peu les fesses comme ça, tu fais comme ça et t'entends en plein dans ton sommeil, tu fais genre comme ça et après tu te rendors. Et si tu fais pas ça, tu veux pas te rendormir. Dès que tu danses ou quoi, genre sous la douche. Oh, ça, c'est vraiment les dossiers, genre. Raconte un dossier sur moi. Ah, mais il y en a trop, là. J'ai chaud. Bah alors, tout à l'heure, juste 2 minutes avant qu'on arrive, on se maquille dans la voiture parce qu'on n'était pas prêtes. Et je la maquille, du coup, à côté. Je lui dis, ferme ce œil-là, vite fait, que je te fasse un truc. Elle ferme les deux yeux. On alors que j'étais pas trop contente. Tu préfères recevoir la fessée ou la donner? Bah, franchement, alterner. Genre, chacun son tour. Sinon, c'est pas drôle. Et toi? Toi, t'aimes bien la recevoir. Ouais, c'est vrai. Moi, je fais la recevoir. J'ai un peu une grosse bottom, on va dire, la recevoir. Avec toi, recevoir. Je le dis, voilà. C'est dit. Bah, la donner. Ah bon? T'es sûr? Ah, la donner. Qui de nous deux est la plus drôle? Toi. Okay, moi, je suis pas drôle. Hein. Non, je suis bon public, mais je suis pas drôle. Exactement. T'es bon public, mais t'es pas drôle. Toi, t'es hilarante. Ouais, exactement. Moi, c'est toi. Ça, c'est... Non, c'est toi. Tu me fais de l'ombre. En vrai, c'est kiff-kiff. Hein. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand je me moque de toi, en fait. Qui de nous deux est le plus drôle? Moi. Franchement, je suis beaucoup plus drôle que toi. Tu dis pas non, donc t'es d'accord. Non, mais ce que je sais, que si je dis non, tu vas dire c'est faux. C'est inutile. Toi. Ouais. Bah, c'est toi. Pour toi, c'est moi. Mais ouais. Pour moi, c'est toi. Ouais, non, mais on demande aux gens, c'est toi. Je sais pas. T'es une comique dans l'âme, toi. Tu veux que je te raconte une blague? Pourquoi, quand un Belge, il dort dans son lit, pourquoi il a deux verres? Il y a un verre vide et un verre rempli. Parce que des fois, il a soif, des fois, il n'a pas soif. Là, t'étais censé le faire avec l'accent belge. J'ai pas l'accent belge. Quelle est la plus belle chose que j'ai faite pour toi? Il y en a tellement. Toutes tes petites attentions, genre au quotidien, en fait. C'est pas un événement, genre c'est vraiment tout ce que je fais au quotidien. Ouais. Moi, je dirais, c'est con, hein. Mais c'est quand tu fais à manger tous les jours.
On met 4 ans sous thé. On t'a mis, tu m'as vraiment fait toute une journée et tout par rapport à ça. Mm-hmm. C'était vraiment cool. Genre de fêter un truc en rapport avec ma transition, c'était la première fois et tout, donc c'était vraiment cool. Quelle est la plus belle chose que j'ai faite pour toi? Tu m'as fait quitter amis et famille pour aller vivre dans le nord de la France. Du coup, c'est la plus belle chose que tu aies faite pour moi. Ah. Bah, tu m'as accepté avec tous mes défauts. Et avec mon bagage. C'est vrai, c'était pas facile. Ouais. Mais on est plus fort maintenant. C'est vrai. Quelle est la plus belle chose que j'ai faite pour toi? Moi? Eh ben, le voyage à Malte. Et moi, ton premier je t'aime aussi. Ça m'a touché. Quand t'es venu avec moi en Grèce, voir ma famille et faire mon coming out avec moi. De base, on était allés juste en tant que potes. Et on allait dire qu'on était potes et qu'on habitait juste ensemble. En final, on s'est retrouvés face à elle. J'ai dit non, mais je peux pas faire ça. Faut que je leur dise. Donc je te l'ai dit, j'ai un peu pleuré, mais ça s'est très bien passé au final. Donc c'était cool. Ça va faire un an qu'on est ensemble. La semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. C'est trop bien d'être avec toi. Je me sens trop bien avec toi. Et je t'aime de tout mon cœur. Merci. Et moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. En tout cas, c'était cool. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai su direct que c'était toi. En 2018. Oui. Bah, pas moi. Ah bah, là, tout niqué. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que je t'aime et que on a traversé beaucoup de choses et que je suis très fière de ce que tu es, de ce que tu deviens et de ce qu'on fait dans la vie. De ce qu'on crée tous les jours. Voilà. Il fait tomber la table. Non, en tout cas, Loana, t'es la femme de ma vie, je t'aime et je veux vraiment finir ma vie avec toi, je le sais, je le ressens trop trop fort en moi. Et de toute façon, t'es moi, on est âme sœur, on le sait. On est deux béliers, on est deux sœurs, deux meilleures amies, deux amour, de tout. Et voilà. Boubou, je t'aime. Boubou, je t'aime. Love you. Love you too. Moi, ce que je dirais, c'est que t'as tout chamboulé, mais pour retrouver une belle stabilité derrière. C'est trop mignon. Je suis très reconnaissant que la vie t'ait mis sur ma route. Parce que bah, ça fait du bien d'être aimé pour qui on est réellement. Et sans avoir à gommer des traits de sa personnalité. Et encore plus quand en face de moi, j'ai quelqu'un qui me ressemble et que j'aime énormément. C'est beau. Bravo, bravo.